Vos impressions concernant l'ouverture de cette CAN? Voilà. J'attends pas, j'attends pas. Vos impressions concernant l'ouverture de cette CAN? J'attends pas, les bons. Il n'y a rien à dire, seulement nous, on sait que la coupe là va pas aller, ça va pas traverser la lagune là. Ça va rester ici. L'organisation est faite, mais le problème est que on ne nous laisse pas rentrer malgré qu'on a les tickets, parce que le stade est déjà rempli. Your impression for CAN organization? Amazing, amazing. Vu l'envouement, vu tout le monde ici est vraiment content. Vraiment, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. C'est la meilleure CAN du monde. Je te parle, hein, pas d'Afrique, du monde. L'organisation est tellement, c'est super propre, c'est tellement, c'est super propre. Franchement, moi, je suis fier d'être ivoirien et je suis fier de la Côte d'Ivoire. Je suis fier aussi de nos présents, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Ok, pas énormément, ça a été du lourd, hein. Ça a été du lourd, ça a été du lourd et j'étais très ravi. Pour cette canne, elle est. Elle est bien. Pour l'organisation, vraiment, c'est bien parce qu'on est là. On a nos tickets, mais nous ne sommes pas en contre. On voit qu'il y a une fluidité. Donc, je pense que ça va. C'est la meilleure. Pour moi, c'est la meilleure canne d'Afrique. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Bien organisé déjà. Dis bravo à la Côte d'Ivoire, nous sommes Camerounais. Vraiment, nous sommes Camerounais. Hein. Nous sommes du Cameroun, vous supportez la Côte d'Ivoire. Oh, c'est la cousine, c'est la cousine. C'est notre première. Nous sommes bien cueillis. Depuis hier, les Ivoiriens sont très gentils. Les Ivoiriens sont très gentils. C'est notre arrivée. Ils sont accueillis vraiment. Donc, merci beaucoup. Aux Ivoiriens. Cannes. C'est tellement jovial que, bon, on ne peut pas expliquer. On peut pas. Et on est fiers déjà de voir que notre pays accueille beaucoup d'étrangers. Mais ce qui nous fait mal déjà, c'est que nous-mêmes, les Ivoiriens, on n'a pas droit au truc qu'on appelle PCM, au ticket. Mais déjà, c'est déjà une fierté de voir que nos frères déjà qui se téléportent pour aller en Europe, c'est déjà une leçon pour leur dire de ne pas aller en Europe en fait. Parce que la vraie vie, c'est pas l'Europe. Parce que les Européens même se déplacent pour venir chez nous ici aujourd'hui. Eux déjà, c'est l'engouement qu'il y a autour de cette CAN déjà, nous déjà, ça nous fait chaud au cœur. Déjà de voir que les Européens, les Chinois, les Marocains, ça quitte de partout des divers horizons pour venir. Donc à quoi sert, nous les jeunes Ivoiriens déjà, de fuir notre propre pays pour aller vers l'Occident? C'est déjà dommage, mais merci à vous. Okay. Merci. Un message pour la CAF. On veut dire à la CAF, ils n'ont qu'à faire des tickets, ils n'ont qu'à revoir. Si tickets par une seule personne, non, ils n'ont qu'à arrêter ça. Ils n'ont qu'à faire deux tickets par personne. Là, pour que tout le monde puisse avoir accès au stade. Là, au moins, une personne t'a deux tickets, toi et puis ton frère. Là, quand c'est comme ça, c'est bon. Mais si tickets à une seule personne, vraiment, ça ne nous arrive pas. On est trop beaucoup pour ça. Voilà, donc, merci, merci monsieur. Est-ce qu'il y en aura? Il n'y en aura pas, il n'y en aura jamais. C'est-à-dire qu'il y en aura en Côte d'Ivoire, si tu es en Côte d'Ivoire.